Eh bien voilà la team Puma, nous voici à Port-Cao. Regardez ce bordel devant. Nous sommes en compagnie de Ange, de Hip Rider. Hip Rider est un youtubeur de renommée. V à toi Hip Rider, hashtag le motovlogueur, ce qu'on appelle, tu connais un peu Casper? Tu connais Casper? Ouais, bah c'est ça. C'est ce motovlogueur là, et il a pris un Z. Ah, il a pris un Z. Oh putain, oh putain. Au contact. Coupe-circuit. Je vais mettre en neutre. Voilà. Mais contact. Et là, en fait, c'est un rassemblement, les gars, c'est la 9e année que je vais. Ça fait 9 ans que j'ai le permis moto. Toujours le petit ex de Ange présent. Derrière, de la MT, en veux-tu, en voilà. Il y en aura aujourd'hui, et pas qu'un peu, des Z aussi. J'ai vu une street là-bas. N'hésitez pas à venir, les gars, chaque année à Port-Cao. Franchement, venez. Regardez toutes ces motos, et encore là-bas, c'est pire. Voilà, il y a des petites Hayabusa. Putain, le Jake sur l'herbe, quoi. Oh, il y a une MV. Elle est belle, hein. Bah non, mais on est lourd et j'ai pas envie de taper le sabot, moi. Toujours les petits pompiers là-haut. Nous, on s'était mis là-haut un moment pour avoir une vue sur tout le champ. Oh, un homme de goût là-bas. Avec la petite sacoche SW Motec. Ça, c'est une. Ça, c'est un mec de goût, ça. Et tu mets un vaillant coup de frein, t'as l'avant qui part, chouic. Oh, regarde le 12 à droite, Dova. Le 12 là. Ah, bah on va se mettre là-bas, vas-y. C'est bon, on se pose. Tu peux descendre. Bon, et ben voilà, la bénédiction va commencer. Vas-y, monte. La bénédiction va monter. La bénédiction. La bénédiction. Non, Dova va monter et on va à la bénédiction. Donc, ça va être un sorte de grand péage. Oh là là là, on roule pas en Hayabusa, nous. Partez sur la gauche, venez. Ah, elle est lourde. Ouais, on passe. Hop. Donc nous, on gruge tout le monde. C'est le but. Regarde. Donc là, ils ont créé un sort de grand tournicotis. Oh, je n'arrive pas à monter, elle burn. Ouais, serre pas trop, serre pas trop. T'en as qui n'ont pas l'aide au démarrage en côte. Eh bien, nous avons... Donc voici un charmant abonné tranquille avec son petit bandit. Mets un coup de gaz, voir. Mets des coups de gaz. Ouais, ça va. C'est du bandit. Regardez tout ce... Regarde le bordel autour. Regarde tout ça. Regarde tout autour. Regarde, mets-toi debout, debout. Regarde, mets-toi debout deux secondes. Essaye de chercher Xav. Cherche Xav. Ah bah les Z, ça chante, hein. C'est... Ah non, non, toi, non, non, c'est un aspirateur, toi. C'est... Toi, t'as la chicane sur une chicane. Vous voyez le mec en Jex en face, là? Et bah regardez sa couette. Avec le petit nounours au-dessus. Je te jure que s'il fait un grand wheeling, il crame sa couette. Oh là là, la Daytona avec le châssis... Ouais, la Daytona avec le bras aussi en rallongé, là. Elle est ouf, hein. Eh, ce mec-là, il est bien famous. Okay. Vous le connaissez, ce mec-là? Ah, ça, c'est... Ça, c'est Hip Rider, ça. Ça, c'est le motovlogueur de l'Ouest. Wow. Acrobike S22. Ta peinture est très jolie. C'est quoi de base comme moto? C'est quoi de base le modèle? C'est quoi de base le modèle? C'est 900 CBR Fireblade. 900 CBR Fireblade? Ah, tu l'as bien custom, hein? Bah franchement, très propre. Oh, regarde, il a même mis les freins. C'est les freins de la Bioule. Donc voilà, Port-Cao, c'est ça les gars. C'est, tu viens faire bénir ta petite moto. Tu croises les doigts qu'il t'arrive rien toute l'année. Ouais, je vous attends. Allez, c'est à nous. Ah, moi, la 9e fois où je viens à Port-Cao, toujours à côté de notre ami campiste avec son Jex. Bonjour. Bonjour. On vient de Lyon, nous. Ok. Alors, vous voulez recevoir l'amour de Jésus aujourd'hui? Oui. Alors que le Seigneur Jésus vous bénisse et que Notre-Dame, la Madone des motards, vous accompagne sur votre route et dans toute votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bonne route. Je t'attends au croisement. On vous attend, on vous attend, vous êtes là. Écoutez-moi le chant du... Ce
ce champ de 3 cylindres. Oh la vache, il fait un bruit. On dirait un tracteur. Oh, il y a de l'huile qui pisse de partout. Tu vois, dans des rassemblements, il y a de temps en temps, tu vois des choses assez sympathiques quand même à Port-Carreau. Elle est jolie, hein. Eh, t'as vu la ligne bleue, mon gars? Wow. Avec, ah, il y a un S minéral à côté en plus. Ah là 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 là. Elle doit avoir chaud, je pense. Hein. Regarde, Xav. Tu vois les rassemblements, il y a de la H2. Et t'as du mec avec un pare-brise en plexiglas carré. Collecteur, il est couleur bleu, mon gars. Incroyable. Nous sommes sur une consommation instantanée de 100 litres au 100. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Non, t'es moche. Tu veux quoi? Non, non, je veux pas. Je veux pas ta GoPro, non. T'es moche. Tu te tais. Avec petite pensée à mon Titi. Salut, pardon. Je te suis. Ah, bah ça fait plaisir. Et bah me voilà. Et bah merci à toi de nous suivre, ça fait plaisir. Ouais. Tu roules avec quoi de beau? Une Suzuki, je pense. Ouais, j'ai un Jex 1000. Jex 1000? Ouais, 2005. Ah. Bon, bah c'est top. Petite dédicace à mon Titi avec le 990 en SMR. Alors, pas ASMR, bien sûr, hein, en SMR. Oh, petite S2R. Comment vas-tu? Ça va? Ah, il y a mon petit bandit! Nous sortons de Port-Carreau, enfin. Il fait chaud. Ça, c'est... Ah, regarde ça. Eh, comme c'est beau. Des claquements de mains. Oh là là, j'ai chaud, il faut de l'air. Et là, là, nous avons un mec ultra riche. Nous avons Hip Friday! Allez, bisous ma poule. Ouais, lui, il fait pas la balade. Ah, de l'air. Ça fait du bien. Oh, tu lui as arraché la main. Voilà la Ducat que j'ai essayé. La Super Sport. Quoi, tu? Ça va? Et nous avons le Paris. Yes! Écoutez-moi ce doux son des 3 cylindres, mon petit body! Ah, ça fait plaisir de le revoir, les gars! Oh là 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 là! Et l'autre! Ah, vous savez que son compteur à Xav, il se met genre à l'arrêt, il donne un coup de rein et le compteur il monte genre 13 km/h, tu vois. Merci Husqvarna. Regardez-moi ce bond qu'il y a. Ce bond. Allez, on tapote. Alors moi je tapote pas parce que moi j'ai un mec derrière moi là qui tape. Il est en train de détruire des poiliers. Vous voyez Port-Carreau, les gars? En gros c'est ça. C'est une balade. Oh comment? Oh, tu lui as éclaté la phalange. En gros, Port-Carreau, les gars, c'est ça, c'est 25 000 motos, c'est une balade immense, c'est des gens sur le bord de la route. Pour la bonne cause, regardez ça. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Ouais. Bravo. Doudou, est-ce que tu vois les mains voler quand Dova il tape la main? Elle dit qu'elle voit les épaules qui volent. Ah là là, c'est une balade moto, les gars, c'est tellement stylé. Gros freinage. Oh, mais c'est un... Mais c'est... C'est le petit Fazou avec le loudou. Ouais. Il a un peu galéré, mais on l'apprécie. Il manque des neurones. Comment il chante. Aux deux personnes sur la moto, il manque des neurones. Ah ouais, ça sent l'huître. Non, pas l'huître, le fumier. Bonjour, monsieur tout en haut. Et est-ce qu'on peut dire que dans cette ville-là, on doit se tenir à carreau? Est-ce que tu valides ma blague? Non? Allez, t'es prêt? Oh!
Oh, très joli le petit café racer là. Eh les gars, vous vous souvenez de Petit Bandit qui était avec moi au road trip? C'est double SC, regardez ça. C'est n'importe quoi, ça pète dans tous les sens. Et Porcaro, vous voyez, c'est aussi ça. C'est des bouchons en pleine campagne. Comment vas-tu? Continue comme ça, c'est super. Ah, ça fait plaisir. Vas-y, petite photo, ma poule. Merci. C'est good. Allez, bisous. Un grand plaisir de vous croiser lors de cette grande croisade. Oh la vache, les suspensions, gros. T'es un gros lard. Regarde ça. Oh le. Boings, boings, boings. Alors ça, c'est pas parce que les suspensions sont molles, hein. C'est juste que lui, c'est un gros lard. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est un adepte du McDo, il adore ça. Et ben voilà, regarde, Ducati Scrambler dans les champs, prêt à faire un run. Ouais, regardez. Regardez tout ce monde. On arrive à créer des bouchons de moto en pleine campagne. Et ça, ça fait plaisir. Alors, comment s'insérer sur une autoroute de moto? Premièrement, avancez doucement. Allez, on s'insère, hop. Et voilà. T'as inséré de dos? Vas-y, vas-y. Heureusement que je lui dis regarde devant toi. Il aurait mangé le pneu arrière. Oh là-bas, regarde les casques. Regarde les casques rouges. Et de nouveau un petit bouchon. Tire les papons sur le chiffre. Il y a deux Mickey là-bas. Et mets-moi un petit coup de gaz. Fais-moi plaisir. Oh, cet homme-là est insolent. Ah, vous voyez les gars, le petit S1000 RR. Il est magnifique. Allez. Wouhou. Ah, il est beau. Il est beau. Oh, comment il pète. Et là à côté, on a le branleur. Et nous avons le magnifique casque. Oh, génial. Nous avons le casque bisounours. Oh, il y a un 12. Allez, check bébé. Oh non, je l'ai raté. Oh non, non. Ah, regarde, il y a encore la famille des bisounours. Ouais, j'avais pas vu les petites oreilles devant. Encore et toujours. Allez, éclate-lui la phalange. Bam. Oh là là, ça chantonne. Salut. Ah, ça fait bien plaisir de vous rencontrer, les gars. Oh. Oh là là. Il y avait une Dragster RR, là, je crois, en MV Agusta. Magnifique. Bonjour, bonjour. Oh, il est chaud du rupteur devant. Ah. Elle est géniale. Elle est superbe. Avec les deux pots GPR comme ça, ah, il déboîte. C'est rare, hein. SV1000 c'est rare, d'habitude c'est SV650. Ah, il m'a fait le signe genre tu veux l'essayer? Bah oui, 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 oui. Oui, je veux essayer ton... Bonsoir à toi mamie. Elle s'appelle sûrement Josiane. C'est marqué quoi? Abonne-toi alors Puma. Ah d'accord. Désolé, changement de batterie, ils m'ont entendu. Oh, le vert du Kawasaki ER5 est de type gargantuesque. L'orange de cette Z est de type gargantuesque. Oh, wow. Ah mais d'accord, c'est une moto de stunt. Regarde la couronne. Je sais pas vous, mais les gens qui mettent des GoPro sur le casque comme ça, j'ai l'impression d'avoir un petit gyrophare. Oh, oh. C'est bon les casques comme ça là. Oh. Alors ça. Ça c'est beau ça. Oh. Elle est magnifique. Oh la vache. Oh, elle est trop belle. Oh. Allez, dites-moi la 800 RR Dragster. Très jolie. Salut papy. Alors la moto d'en face les gars, pour faire une bavette, tu m'appelles. Va faire une bavette de ça. C'est un Hornet. Je crois que c'est un nom. C'est un nom, c'est Mo. C'est. Ouais, le QRV, c'est un nom. Mais ça, c'est pour. C'est joli, hein. Très sympa. Mais l'arrière, par contre, pour faire des bavettes, faut être professionnel. Hein. Bon, et bien voilà. Regardez ces belles images. Tous ces motards
garé à côté d'un lac. Quoi? Aïe! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ces moments d'émotion, d'égarement, de débilité.